Bonjour les femmes et bienvenue à notre journée, notre, voyons, je cherche les mots, ça commence bien pour notre première capsule. Alors bonjour les femmes, je me présente, je m'appelle Marina, je suis propriétaire de Marina Prêt-à-Porter et aujourd'hui, notre capsule du 18 août, je vous présente une belle paire de pantalons dans deux couleurs différentes. Vraiment extraordinaire comme tissu et vraiment fait très bien. Mais avant de commencer, les filles, je voudrais vous dire, en fin de semaine, ils nous annoncent une grosse canicule. Alors, si vous êtes encore dans l'état d'esprit de l'été, nous avons encore dans la collection d'été de très, très belles choses. Et en plus, on donne 10% supplémentaire sur les étiquettes des jours rouges. Donc vraiment, les femmes, ça vaut la peine. On nous reste encore le mois de août qui est quand même, on est rendu au 18, mais il reste encore le mois d'août, le mois de septembre à s'habiller encore en été. Alors venez profiter de ce qui reste parce que il y a beaucoup de belles choses, des beaux pantalons blancs, des choses en lin, des belles petites robes qui nous restent. Alors vous avez un 10% supplémentaire. Alors si vous aimez cette fameuse petite promotion, faites-moi des likes, faites-moi des coucous, faites-moi des j'aime. C'est de cette manière-là aussi que on va finir par que vous allez plutôt nous aider à se faire reconnaître de plus en plus. Alors ce que je voulais vous montrer aujourd'hui, je commence, c'est la collection Lois, le pantalon. Vraiment hyper confortable parce que il a beaucoup de spandex à l'intérieur. Je vais vous le montrer ici. C'est un pantalon. Moi, ce que j'aime beaucoup dans les pantalons qui sont avec spandex, c'est qu'en plus, celui-ci, il y a du polyester dedans. Donc, coton, polyester et spandex. Ça, c'est vraiment, je trouve que ça tient beaucoup mieux. Et ça passe pas notre temps à le, tu sais, là, toujours être en train de le remonter. Donc, voici la couleur vraiment tendance. Vous savez qu'il y a beaucoup de gris cette année, beaucoup de bourgogne, de camel. Regardez comment est-ce qu'il est joli. Taille élastique. Souvent, ici, il faut faire attention. Ça arrive des fois qu'il y a pas d'élastane au niveau de la ceinture. Lui, il y en a. Donc, vraiment très confortable. Les poches à l'arrière, c'est de la compagnie Lois. Et ce que j'aime de la compagnie Lois, c'est son prix. 85 $. J'ai ça de partir de la taille. Bon, eux autres, ils marchent 28, 30, 32, 34. Alors, moi, j'ai ça veut dire à partir de 6, 8, 10, 12 et 14. Regardez comment est-ce que c'est joli. Moi, je l'ai agencé avec un chandail. Vous savez que moi, j'ai toujours chaud. Donc, ça, c'est les chandails que j'adore porter durant la saison froide. Ils sont vraiment pas... ils sont très minces comme tissu. L'encolure, elle est ronde. C'est sûr que si je porte l'encolure ronde comme ça, vous trouvez, ça, il manque quelque chose pour moi parce qu'on dirait que ça m'avantage pas au niveau du cou. Donc, la femme qui me dit, moi, j'aime pas les longueurs, j'aime pas l'encolure. Regardez, juste d'aller le mettre, de lui mettre un collier, on vient déjà donner un peu plus de longueur à notre statue. Donc, ça fait vraiment beaucoup mieux comme vêtement. Le chandail, moi, je porte le small en ce moment. Moi, j'habille 8-10 en général, donc c'est vraiment un beau tissu. Il est à 168. On a small, medium, large et X large. Je vais vous donner sa composition si je le trouve, là. Sa composition viscose polyamide, donc ce sont des textures qui se lavent bien. Donc ça, c'est bien le fun de regarder toujours l'entretien. Donc on le lave à la machine à délicat et on l'étend. Parce que si vous le suspendez, il va être trop pesant mouillé, puis là il va étirer, ça va faire une robe finalement. Alors quand vous l'avez lavé, faites juste l'étendre et laissez-le sécher de cette manière-là. Vraiment une belle manière de porter le pantalon dans les teintes de bourgogne et de gris. J'ai agencé un beau collier très sport parce que c'est des grosses mailles. Vous savez que cette année, la perle, les cœurs, il y en a beaucoup. Moi, je l'ai porté vraiment en collier. Mais ce que j'aime aussi, parce que vous savez que la ceinture cette année, il y en a beaucoup dans tous nos styles de vêtements finalement. On va adorer la ceinture. C'est vrai que quand on n'aime pas toujours ça, quand on a un petit peu de bédaine, d'avoir une ceinture, mais le truc, c'est d'aller porter des ceintures qui ne sont pas trop grosses non plus.
Vous savez, c'est important, là, comme moi, je suis pas très grande, aller porter une ceinture qui mesure 2 pouces, ça va peut-être être trop, ça va être masquant sur ma taille. Mais regardez mon collier, je peux très bien le porter comme ça. Regardez, est-ce que vous aimez ça, les femmes, avec une petite ceinture en argent comme ça, là, qui vient juste donner un petit détail? Faites-moi des signes, faites-moi oui ou non si vous aimez pas, mais montrez-moi si vous, ça vous intéresse d'avoir ce genre de petit look-là, finalement, dans votre garde-robe, parce que ça donne un petit instinct, un petit look féminin en allant juste un petit peu juste cintrer la taille comme ça. J'aurais pu mettre un collier aussi, un autre collier plus petit, là, ou un petit peu plus court, ça aurait été très joli aussi. Alors ça, c'était le kit que je voulais vous montrer, mais maintenant, ce kit-là, je l'ai aussi dans les couleurs de camel. Avant de vous le montrer, je voulais vous montrer aussi au niveau de la hauteur du pantalon. Là, il arrive vraiment là, comme à la hauteur du nombril. Donc ça, là, on est vraiment bien enculotté. Finalement, on est vraiment très bien. Quand on s'assoit, là, on n'a pas notre petit bourrelet qui sort. On est tout un petit peu comme ça. Quand on achète un vêtement, on essaye de s'avantager le plus. Moi, je trouve qu'il nous avantage beaucoup. Moi, j'ai une bonne paire de cuisses. Puis finalement, je trouve que ça fait très bien. Là, j'ai un talon haut, mais avec un petit bottillon cet automne, ça va être Ewan. Alors, je l'ai aussi dans cette couleur-là. Vraiment, vous savez que les camels, c'est vraiment la tendance beaucoup cette année. Donc, camel et gris, les femmes, c'est tellement, mais tellement beau. Je vais vous montrer avec le chandail. Regardez, un beau chandail comme ça dans les teintes de gris avec. Regardez comment est-ce que c'est joli. Vous, qu'est-ce que vous aimez finalement? Préférez-vous la couleur camel ou vous préférez la couleur bourgogne? Lesquelles préférez-vous? Parce que finalement, ce sont vraiment de très, très belles couleurs. Alors, répondez-moi à ma petite question. J'en ai une, justement, qui m'a écrit. Je préfère dans... Ah, au sujet du collier, la dame dit, je préfère dans le cou, ça allonge la silhouette. Oui, mais comme je disais, vous avez raison, sauf que vous pourriez mettre les deux en mettant un collier un petit peu plus petit qui va donner aussi l'encolure en V et qui va vous donner aussi l'impression d'avoir, d'allonger la silhouette. Alors, voici... Si vous aimez, bonjour Suzanne. Suzanne me dit qu'elle préfère le camel. Suzanne, j'ai dit 4 ans pour toi. Alors, si tu es intéressée, c'est le temps de venir. Comme je dis, j'ai de 4 ans jusqu'à 14, c'est ça que j'ai dit tout à l'heure? Alors, 4, 6, 8, 10, 12, 14. Donc, c'est vraiment des belles grandeurs. Vous allez adorer. Alors, c'est ça aujourd'hui que je voulais vous montrer. Deux modèles dans un modèle, dans deux couleurs différentes avec des petits chandails. Vous pourriez mettre tellement d'autres couleurs de chandail, mais c'est ce que je voulais vous montrer, la tendance qu'on a dans ces collections-là. Alors là-dessus, les femmes, je vous dis merci beaucoup d'être là, merci de partager, de me faire des commentaires et on se dit à demain. Ciao!